gymnastique de Fignol. Après la première position, il réalise 20 de moyenne sur cette phase, sur cette deuxième phase. 20,57 de moyenne générale, devant 2 minutes 49. Donc, Savak Amir, donc deux concurrents des Émirats Arabes Unis, donc avec gymnastique de Fignol, il s'agit donc de Rachid Segaïer, le cadre. Garadei Al-Kedbi, donc gymnastique de Fignol, 20 de moyenne sur la piste, 20,57 de moyenne générale, 2 minutes 37 donc de temps de récupération. La deuxième position pour Yaya Sougaïer Kadoun Al-Hajtabi, pardon, avec Savak Amir, 19,43 de moyenne, 20,27 de moyenne générale, 2 minutes 49 d'écart. Et Sabrina Arnold vient chercher la troisième place, Sabrina, avec Tsagandour. 19,58 de moyenne, 20,12 de moyenne générale sur l'ensemble des deux premières étapes. 2 minutes 46 de temps de récup, excellente récupération, meilleure récupération pour l'instant. Et donc 4 minutes 14 d'écart, 4 minutes 14 donc, d'écart sur, pour cette troisième place. Emma Rossel, qui se montre maintenant, donc Emma Rossel pour l'Espagne avec Danco. Voilà, donc sera 4 minutes 53 en quatrième position. Et Rachid Ahmed Al-Balouchi en cinquième place avec Varga de Légual à 4 minutes 56. Anna Barbas pour le Portugal, sixième avec Eda Fluka à 5 minutes 07. Maureen Granier prendra la 8e position. Maureen Granier, donc la 7e position, pardon, avec étape 5 minutes 19 d'écart. Et c'est maintenant Jessica Giraldo pour l'Espagne avec 13,50, 20,09 sur la boucle, 19,96 général, 5 minutes 45 d'écart. Et donc juste derrière, 10 petites secondes derrière, donc c'est Mohamed Khalifa Al Soudi. Nous avons d'abord donc pour les UAE, pardon, donc Ahmad Obey Rachid Al Kadbi. En 11e position, Mohamed Khalifa Al-Sawedi. Laetitia Fegas prendra la 12e place avec Vitel de Majori. Paul Barre est là aussi en 13e position avec Wally Neff. 19,88 de moyenne sur la boucle, 19,92 de moyenne générale, 6 minutes 07 d'écart. Elisa Simon en 14e position avec Bensab de Suleiman à 6 minutes 12. Saïd Mohamed Khalifa Al-Mehari pour les Émirats Arabes Unis sera donc en 15e position avec Chain à 6 minutes 14. Laya Soria donc en 16e place avec Nervi de Riral à 6 minutes 17. Fanny Delon est en 17e position avec Pritjo de Bozoul à 6 minutes 38. Amandine Laurenti est 18e avec Velvet El Mazel à 6 minutes 43. Et donc Fahad El Al Mohamed Al Khatri en 19e place pour le Royaume du Bahreïn avec Valeska de Kerpon à 6 minutes 51. Et là on attend pour les selles.
Donc Emmanuel, bon, je vais essayer de travailler. Donc Emmanuel Godinot vient de prendre la 20e position avec KRL Pachepard. 19,79 de moyenne sur la boucle, 19,72 de moyenne générale et 8,06 l'écart. Lucas Bordignon sera 21e. Lucas donc en 21e position avec El Malia Anour à 9,13 et Ronny Van Marcelle sera 21e avec Bertrand de Rouesse à 9,20. Classé pour l'instant, 20 cassé en 9 minutes 20 la première position. Donc est revenu à Rachid Seguier, Kanoun Yarnet, Al Kedbi avec Jean, Gymnatique de Fignol. Donc 20 de moyenne sur la boucle, 20,57 de moyenne générale, 2 minutes 37 de temps de récup et 2 minutes 49 d'avance sur son collègue d'écurie, Yaya Sougaïer Kanoun Al Ashtami avec Sabak Amir. Donc 3e position revenant à Sabrina Arnold avec donc Tsagan Nour, Sabria et Tsagan Nour donc placé en 3e position. 3e position donc 19,58 de moyenne sur la boucle, 22 de moyenne générale, 4 minutes 14 d'écart. Emma Russell est en 4e place avec Danko. Emma Danko à 4 minutes 53. Et Rachid Ahmed Al-Blouchi est en 5e position pour les Émirats Arabes Unis avec Varga de l'Egual. Donc 18,40 de moyenne sur la boucle, 20,04 de moyenne générale et 4 minutes 56 d'écart. Nous sommes pour l'instant donc avec la 22e position de Philippe Thomas qui concourt pour la France, bien entendu Philippe. 22e avec Vizir d'Escamp, 19,32 de moyenne sur la boucle, 19,46 de moyenne générale et 10 minutes 47 d'écart. Donc il y aura là aussi au terme de cette deuxième étape 40 minutes de temps neutralisé. 40 minutes de temps neutralisé, on va repartir sur la troisième étape qui sera donc à nouveau la boucle verte. À nouveau donc la boucle verte de 35 km. La troisième étape sera la boucle verte de 35 km qui nous amènera au kilomètre 100 de cette épreuve. Donc cette épreuve, donc le festival Cheikh Mansour, épreuve donc comptant pour... bien entendu. Donc ce championnat du monde des jeunes chevaux de 7 ans. Deuxième position, Yaya Sougaïer Kanoun Al Ashtami.
avec Samak Amir à 2 minutes 49, Sabrina Arnaud est 3ème, avec Tadamour à 4 minutes 14, Bernard Rossin de 4ème avec Banco à 4 minutes 53, la 5ème position pour Rachid Medal Blouchi. 5ème position que Margaret Légoal à 4 minutes 56, c'est la 6ème place pour Anna Barbas qui remonte de Portugal et Eda Fruca à 5 minutes 07. La 7ème place, Maureen Granier avec Benjaritz. Maureen donc à 5 minutes 12. Pour l'Italie est en 8ème position avec le 4h14. À 5 minutes de 19, Jessica Giraldo est en 9ème place. Attention! Ça va pour Rayo. Pardon. Tiens, vas-y. Number 7? Are you saddle? Rachel Cooper prendra la 24e position avec Voltange. Dans les bordures, ok? Thank you.
derrière donc Leslie Chambotan, qui est en 46e position donc Leslie avec Oh,
commencé que l'année dernière. Et ben maintenant, pour l'instant donc 66 classés, et je crois qu'il y a eu donc hélas La dame avec la gamine. Non, non, non. Donc retrait du 39 et du 94 sur la première étape. Il y avait eu donc 6 retraits. Et nous sommes donc à 8 concurrents qui ne font plus partie donc de ce championnat du monde, championnat du monde des jeunes chevaux de 7 ans. Donc, Festival Cheikh Mansour. Empieza a poner la gente. Alors Mayenne avec sa frayeur de Boudoune, 17 secondes de Mayenne sur la boucle 18 et 17 secondes, les 24 minutes et 45 secondes.